Yo. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Blood Hunt. Je ne sais pas encore si je garderai ce replay, mais si je le garde, c'est parce que j'aurais fait une bonne game. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que... Oui, faut que je clique là. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, les défis d'aujourd'hui, c'est absorber du sang mortel avec une résonance, c'est-à-dire des civils avec des, entre guillemets, qui nous donnent des pouvoirs, enfin des passifs. Infliger des dégâts à l'arme à la distance. Ouais. Et infliger des dégâts avec une arme de corps à corps. Ouais. C'est faisable. C'est faisable. Donc, si par exemple, bonjour à tous ceux qui arrivent. Si par exemple je mets cette vidéo-là sur la rediff de, en rediff quoi, sur ma chaîne YouTube, la prochaine vidéo qui apparaîtra de Blood Hunt, ce sera beaucoup plus tard, une fois que j'aurai bien évolué, enfin bien totalement, enfin totalement. Ouais, je dirais, on va dire ça grossièrement, mais totalement maîtriser le jeu en fait. Et d'où je reviendrai, peut-être en équipe, peut-être aujourd'hui je vais jouer en équipe, je ne sais pas. Et je vais faire peut-être une partie en équipe avec des randoms. Pour que vous voyez ce que ça donne en équipe. Abattoir. Et puis. Ah, merci pour le follow. Host. Bienvenue à toi. Regarde, oh, il n'y a pas grand monde. Hein. Toréador toujours. Pas grand monde, pas grand monde. Autour de moi, je vais peut-être être, suffisamment tranquille pour pouvoir aller looter. Comment on appelle ça? L'abattoir tranquillement. Je. Ouais, donc après, je vais faire du. Je vais faire du. Comment dire? Du multi. Ah! Ouais, du multi en pick-up. Parce que. Pour que vous voyez un peu comment ça. Enfin. Vous en doutez un peu, mais c'est la même chose que tout seul, mais à 3. Et bon, c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus chaud aussi. Forcément, quand tu tombes sur une team de 3, bah tu shoots un mec et généralement ses potes sont. Soit te tombent dessus par derrière ou par au-dessus ou. Donc ouais, tu joues un peu différemment. Pardon. Peut-être que je jouerai avec un ami, je suis pas sûr. Je crois qu'il est aujourd'hui il est occupé. D'habitude, quand je suis hors ligne en fait, enfin hors ligne, hors live, je fais du. Je suis en équipe. On est que deux. C'est des teams de trois. Et des fois il y a un pick-up qui nous rejoint. Des fois on est que deux contre des équipes de trois. Et ouais. Ça reste tendu quoi. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu que c'était parti. Alors. Balle, fusil. Ouais. Ouais.
J'ai une petite routine quand je vais à l'abattoir en fait, et que je pars de la petite rue, je fais ça, je viens directement là-haut. On va prendre ça en attendant. J'ai mis ce clic. Oh là! Y'a pas tout seul. Il m'a grillé. Il a déjà pris le coffre, je me casse. Pas m'amuser à... J'étais venu ici pour le... Là, ça a été pris. Est-ce que là-bas ça a été pris? J'étais venu pour prendre la caisse. Il y a une caisse de loot. Vite fait. Espérant que j'ai pas été suivi. Je vais me rattraper par ici. Là, il n'y a pas. Là. Là, il y a la caisse. J'essuie des dégâts, mais... Oh, fusil à pompe. On prend. Ah, coincé. Ouais, j'ai perdu de la vie dans la tempête, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est les PNJ. Oh non! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, c'est parce que ça a tiré en face et je voulais pas me retrouver avec eux. J'ai voulu longer, mais non. Ah, désolé. Désolé, là, ça commence mal. Je fais n'importe quoi. Et c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Bah tiens, bah je vais lancer en... Je vais lancer en groupe. Alors, F2 pour passer de ici en bas à droite, de passer de solo à groupe. Et on lance. J'espère que je serai pas le nul du groupe. Ça me ferait chier. Il y a des grandes chances hein, que je sois le nul du groupe. Mais on va essayer de... On va essayer de gérer. Pardon, est-ce que je prendrais la muse? La muse, c'est le personnage soigneur. Je me demande, est-ce que je prendrais un soigneur dans le groupe? Bien que... Quand on doit se soigner, des fois c'est chaud. Et le soin, on a plus... plus facilement bah, d'aller dans la rue, prendre quelqu'un vite fait ou avoir des poches de sang sur soi. Je vais le prendre quand même. Et, oh, bah ils ont cliqué en bas sur l'abattoir. Je vais prendre quand même le muse, on verra bien.
À moins qu'ils prennent la muse. Je vais prendre la muse. D'accord. Donc ils prennent tous les deux des Brugia. Ah non, il y en a un qui prend un Eusvee, d'accord. Ok. Donc lui, il lance les chauves-souris. Et lui, quand il saute, il met un gros coup de poing dans le sol. Bien, bien, bien. Ok. Ils sont là tous les deux. Ah bah non, je vais faire. Non bah non. Je vais faire ça, ce sera mieux. C'est lui qui nous a rejoint, ok. Faire gaffe aussi avec les bruits. Là-haut. Ok, j'ai pas de protec. Il a vu là-bas. Ouais. C'est barré où? Alors, je vais essayer de te un peu plus loquace, hein, excusez-moi. C'est juste que, comme je disais, je veux pas être. Je vais pas être le boulet. Ça peut aller vite, hein. Là on se promène, on cherche un peu et on va tomber sur une team et ça peut faire mal. Peut-être prendre ça.
Ah, j'ai pas touché. Non. Touché. J'ai touché un civil. C'est pour ça que je suis entouré de rouge et que j'ai un compte à rebours sur ma gueule. J'entends courir. Merde. Ah. Non, mon pouvoir, il n'a pas marché. Ah, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Ah non, je suis en train de me faire, je suis en train de me faire graille. J'ai claqué, en fait j'ai mon. Quand tu es muse, comme moi, j'étais en fait mon passif c'est une fois que je suis par terre comme lui, tous mes pouvoirs sont réinitialisés, ça veut dire que je peux les utiliser. Donc ça veut dire même si je suis comme ça, je peux soigner mes potes. Et je peux utiliser mon pouvoir de téléportation. Et en fait j'ai voulu me téléporter. Et mon truc, il s'est mis sur le rebord du. J'ai mal visé, il s'est mis sur le rebord du balcon. Mais c'est pas fini. En fait, là, je suis mort, mais ils peuvent aller sur un point de. Bon, on va appeler ça un point de résurrection, en fait. C'est une fumée verte qui vous permet en une seule fois de ressusciter de 1 à 2 joueurs. C'est-à-dire toute ta team elle se fait tuer, t'es tout seul, t'arrives à te sauver, te mettre sur un point de résurrection, tu fais pop tes potes. Bon par contre ils ont plus leur stuff après. Vu que mon stuff est tombé par terre, il a explosé. Enfin quand je suis mort j'ai explosé et tout mon stuff est tombé. Mais Ah, je suis un peu déçu, j'ai fait le boulet. Mais si j'ai une deuxième chance, je vais essayer de me rattraper. Par contre, la chose que j'aime pas, en fait, c'est que quand je joue en multi comme ça, avec mon pote et qu'on a un pick-up, quand il meurt, il a tendance à quitter le game. Et ça, c'est. Bah, ça, c'est pas cool, quoi. Ah, il se fait poursuivre. Son pouvoir s'est pas réinitialisé. Ah, il est mort. Et là, il est en train de nous raise. C'est ça, la fumée verte. Oh là là, on est entouré. On se casse. Je vais me casser en fait. Et au pire, je raserai mes potes. C'est pas sur moi que ça tirait? Merde. Je crois que je me suis fait griller. Y'a pas une allée là? Là, y'a un magasin.
Et une pharma. Hop. Non, je vais pas prendre celui-là. Là-bas. Elle est où? Oh non! J'ai freeze! Non! Ah non, c'est bon. Allez, là-bas. Donc, nous sommes pas morts. On a une deuxième chance. Mais on est plus stuffé. Les autres, plus tu tues des mecs, plus t'as de chance d'être stuffé. Et donc, putain, c'est de la merde. Y a rien. Là, y a une accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti où, lui? Bon, je vous cache pas, j'ai pas d'armes, c'est la merde. Ici, il y a moyen. Faut que je monte. Allez. Ah. Super, j'ai choisi le mauvais endroit. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Je vais mettre mon gilet tout de suite. D'accord. Il reste 7 personnes et nous on est dans le dernier. On est dans le dernier morceau de la map. Donc, on a un avantage. On a un avantage tactique. Leur but, c'est de venir ici, en fait. Donc, on n'a plus qu'à les attendre.
Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes. Enfin, je sais pas pour eux, mais... Et j'ai pas énormément de balles non plus. Merde, j'ai pas vu. Ça a tiré, j'ai pas vu. Non, 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 commence pas à les rusher. Hein. On est combien? 4? Il est tout seul? Il est tout seul, le gars. Vous voyez? Ça c'est mon pouvoir. Et ça c'est mon deuxième. Ça c'est pour soigner. Romain, non. Il est où? Et on a fait top 1! Mon premier top 1, messieurs, dames. Avec une équipe pick-up random. Dégoûté. Dégoûté parce qu'on a joué comme des merdes et le mec il s'est pointé, il était tout seul. Mais comme on dit, hein, c'est la victoire qui compte. Peu importe la manière ou je ne sais guère. Mais ça motive, ça motive. Ça motive. Parce que j'avais fait des top 2. J'ai fait des top 2 et je n'ai pas fait de top 1. Ça m'énerve. Ok. J'ai fait des top 2, j'ai pas fait de top 1. Et là, je fais un top 1 avec des randoms. Bah, vous savez quoi? Je relance en groupe. Mine de rien, si je m'étais pas sauvé et que j'avais pas raise mon équipe, on n'aurait pas fini à la fin de game et on n'aurait pas tué le gars. Donc, en toute humilité, en fait, c'est moi qui... Voilà, c'est grâce à moi. J'ai carry la game. Non, j'ai rien, j'ai servi à rien du tout. Je sais même pas si je l'ai touché, le gars. Je sais que je l'ai touché grâce à... Ah, quoique si, il était en train de se sauver. J'ai glissé, je lui ai mis un coup de hache, il tombe. Il aurait pu se sauver, il aurait pu se remettre de l'énergie, il aurait pu nous prendre à revers. Bon, il était quasi crevé, mais bon. Et puis là, on va faire 2 secondes. Allez, ça tombe, c'est là, hein. Comme on dit, le déclic, tu sais, tac, ça y est, c'est pas la machine est lancée, c'est parti. Maintenant, je vais prendre la confiance, je vais mieux appréhender les matchs, enfin les rencontres. Ou pas. Comment savoir? Comment on peut réagir? Comment
Voilà comment le cerveau humain réagit en disant tiens c'est son moment maintenant ça y est c'est lui c'est voilà je peux que monter en flèche ou bah t'as trop pris la confiance et bam karma time bon me connaissant hein karma time sinon ce serait pas marrant. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des ennemis à côté de moi. Non, c'est ça que je voulais prendre. Ça. Ça, tu me le rends. Et ça. Non. Oula, on commence à se disperser, c'est pas bon. J'ai vu une vidéo bien débutée et les mecs ils disent il faut pas se séparer. Ah, ça c'est les PNJ, ouais. Vais prendre la K. Vous voyez là? On est en train de faire ça. Bah là on va se faire. Il y a quelqu'un qui va nous tomber sur la gueule. Je le sens gros comme une maison. Ici, messieurs, dames, la dernière fois je suis venu en mode discret. Hein. En mode discret, et je suis passé vite fait. Et il y avait une. Comment on appelle ça? Il y avait un minigun ici. Ah, je vous jure. Minigun. J'ai dit, waouh, c'est génial. Je l'ai pris. Je suis tombé sur un ennemi. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vraiment vu l'ennemi. Et il m'a attaqué dans le dos, j'ai commencé à me retourner, j'ai claqué mon minigun partout dans la ruelle. Et puis finalement, bah finalement il m'a tué, il est reparti avec. Et j'ai touché personne. Par contre, oh, les déplacements, le fait de sauter sur les murs, sur les toits, machin, le truc vampire, quoi. C'est kiffant. Pourquoi il crache ses balles, lui? Pas ce qu'ils foutent le con, mais qu'est-ce qu'il fait lui?
Ouais, j'ai pingé parce que je leur ai dit que je voulais aller là-bas. L'autre, il a tiré, je sais pas pourquoi. J'espère qu'on est... Ah bah voilà, tu vois, ils sont contents. J'ai pingé une arme violette. Ah oui, chose aussi que je néglige et que bah il faut pas négliger. Faut bouffer les mecs comme eux là. Merde. Je me suis fait eu. Mais j'ai pas encore. J'ai pas encore le truc de c'est qui le mieux. Tire! Ah non, il m'a croqué. J'ai pas eu le temps de me sauver. Ok, mon pote aussi est mort. Attends, j'avais un katana? De où j'avais un katana? J'ai chopé quand? Il me tue, il y a un katana qui tombe. Ben non, j'avais une batte de baseball. Une batte cloutée. Ah bah on a perdu. Super. Voilà. Comme quoi, tout à l'heure, on a fait top 1. Là, on s'est fait des... On est tombé sur une équipe, on s'est fait défoncer. Allez, je relance en pick-up. Après, je ferai une ou deux, je ferai peut-être une ou deux parties en solo. Et après, je vais peut-être repiqueter, non, repiquer, refaire une partie en pick-up. Mais ouais. C'est pas le mieux. Si vous jouez en équipe, bah jouez avec des amis avec qui vous pouvez parler sur Discord ou sur Mumble ou TS. Parce que là, on se parlait pas. Je sais même pas si les mecs ils les avaient vus. Faut pinguer, mais tu vois, des fois dans le truc, t'es en train de tirer, tu penses pas à pinguer. Ouais, pourquoi pas. L'entité. Je sais pas, je pense que l'arme de l'entité, elle est bien. C'est une sorte de... C'est une mitraillette mais qui tire en 3 coups par 3 coups. Bah quand t'as l'habitude de... Comment on appelle ça? Bah de jouer avec une AK ou un Uzi, bah t'as tendance à rester appuyé. Et quand là tu restes appuyé, ça fait... Et après ça tire plus. Et donc faut penser à faire talang, 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 talang. C'est pas... Je sais pas si elle est. Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont les meilleures armes, mais je ne sais pas si elle est meilleure, cette arme-là. Déjà quelqu'un qui a ouvert une boutique. C'est mon pote.
Oh putain! Ah oh, l'enfoiré, il a réussi à me tuer. Qu'est-ce qu'il foutait l'autre? Bordel. Ah là là, son arme elle était pas rechargée. Il se fait tirer d'au-dessus. Ça c'est notre pote. Ah non? Ah si, d'accord. Mon équipe est morte. Putain, j'ai même pas touché. Là, le problème c'est que j'ai voulu... Enfin, je sais pas si c'est le problème, mais j'ai voulu le rejoindre et j'ai pas vu, il y avait un mec devant. Hop, on repart en solo. Ouais. Tu vois, c'est décevant. Enfin, c'est... Enfin, décevant. Je tombe avec une team en pick-up, on fait top 1. C'est cool, je prends la confiance. Deux, tu refais un pick-up, tu te fais défoncer. Bon bah voilà. Un peu déçu d'avoir fait top 1 en pick-up. Et au moins j'ai fait top 1. Le mieux pour moi c'est de faire top 1 en solo. Et puis après, il faut que je fasse top 1 avec avec mon pote. Bon. On va essayer de bien jouer. Ah, j'aurais. Après, je vais changer de. Ah, bah non, je vais peut-être jouer celui-là. On va essayer de jouer dans le feutré. Je vais vous montrer la game du feutré. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais oui, je suis con, pourquoi je vais pas dans le cimetière? J'espère qu'il n'y a personne. Non, pas là, là.
Il y a l'appel. Je l'entends. Vous l'entendez aussi? L'appel de la caisse. Elle est là. J'aime pas. J'aime bien, mais je vais peut-être jouer avec ça. Voilà. Je suis dans la zone. On va se casser quand même. Attention. Pouf! Pas trop fan de du Nosferatu, mais c'est vrai que cette classe-là elle est OP, hein. Bon, par contre, si tu tombes ou tu fais des trucs, mais en règle générale. Ok, il y a un mec qui joue du sniper. Je suis fait capter. Bon. Je suis une cible. C'est pas cool. Merde, pas passé. Ah non, c'est pas possible. Tout ça parce que j'ai voulu bouffer le. En fait, j'ai voulu prendre trois fois la même. Le PNJ qui me donne le. La résonance. Dégâts corps à corps, parce que je me suis dit je vais me prendre un truc au corps à corps et on sait jamais si je peux arriver en dans le feutré comme ça derrière un mec. Bah, je prends mon truc au corps à corps et je le bourre quoi. Et en plus comme j'ai des dégâts un défi au corps à corps à faire, je me suis dit ouais. Et bon. Ouais, non, je vais reprendre mon bonhomme. Enfin, je vais reprendre ma classe que je joue tout le temps parce que.
C'est bien d'essayer d'autres classes, mais si tu mets, en fait, faut mettre, si vous voulez, je sais pas, maîtriser deux classes, ouais, c'est cool. Mais déjà, maîtrisez bien votre classe, les points forts, les points faibles de votre perso, et enfin de votre classe, pardon. Hop, je vais me remettre là. Et ouais, puis après on verra. Enfin, après vous verrez quoi. Bon, mon perso là, il fait donc il a le même pouvoir que lui, c'est-à-dire la TP. Genre je projette mon ombre et je me TP directement là, ou alors je laisse mon truc, mon TP sur place, je m'en vais et avant un certain temps. Je peux cliquer et je reviens là où j'étais. Donc ça c'est cool. Et mon deuxième. Mon passif, c'est que si je me croque des gens, des civils, parmi des civils, ils me détectent pas. En fait, je les envoûte. Mon deuxième sort, c'est je fais une grenade flash avec mon corps. J'éblouis la cible et voilà. Bon, j'ai encore un peu de doute sur le pouvoir de éblouir, mais... En y repensant, ouais, Muse, faudrait peut-être plus que je joue Muse en fait. Le fait si je tombe par terre, de pouvoir me sauver, on sait jamais si je suis en fight, il y a un autre gars qui arrive, je peux en profiter pour me sauver et... Ouais, mais ça sert à soigner ses potes. Ou me soigner quand je suis vivant et... Enfin, quand je suis debout. Et quand je suis à terre, ça soigne mes potes, donc ouais, non. Autant rester sur celle-là, quoi. Vous voyez, mon pouvoir, ça fait ça. Ça fait un truc sur sa tête et il est envoûté. La caisse. Là, un magasin. Tac, je prends ça. En lui. Et lui. Hop, tu sens.
Je suis full. Là-haut. Hop. Merde. Dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Il y en a combien de ces cons là? Mais merde, je croyais qu'ils étaient derrière. L'autre il est dans le... Oh putain. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi je... J'ai voulu monter sur l'hôpital, mais la façade elle est bizarre. Faut faire le tour ou faut monter sur le côté et il y avait les mecs devant, j'avais pas vu. Ah, ça me saoule. C'est quoi ces games là? Allez, je relance. Et après, je refais une en... J'allais dire en couple. En équipe. Ça, c'est que ce délire, quoi. Après, si je veux devenir fort en fight, est-ce qu'il faut que je multiplie les fights? Ou il faut que je ou il faut que j'en fasse, mais à choisir, enfin pas me jeter dans la mêlée, je sais pas. Dans J'ai déjà vu beaucoup dans Fortnite où les mecs ils disent ben, c'est pas Fortnite, mais ils disent tiens, moi je vais là parce que ben, c'est là où il y a le plus de monde qui va, quoi. Donc en gros, faudrait que je vise ici, j'aille tout de suite. Vu qu'ils proposent du meilleur loot ici, il faudrait que j'aille tout de suite ici, chercher le meilleur loot, tuer les mecs pour récupérer du loot, et après continuer. Ou prendre le temps de me stuffer et affronter les gars. Aucune idée, franchement. Généralement, moi, quand je fais des BR, je me mets dans des zones un peu... Enfin, sur Fortnite et tout ça, je me mets dans des... Enfin, pas forcément Fortnite, parce que j'ai joué à un Realm Royale et d'autres. Je me mets dans des coins paumés, genre l'autre bout de la map, machin. Sur les coins de map, en mode... Bah, je prends le temps de me stuffer avant de tomber sur quelqu'un, quoi. Fortnite, j'ai déjà vu les mecs arriver tous les deux sur la même maison, se taper à coups de pioche avant de récupérer du loot et... Je sais pas, je sais pas si c'est... Non, je... Aucune idée de... En plus, mes armes étaient pourries. Fusil de chasse, je ne l'aime pas. Où t'as que deux cartouches.
Vous voyez, lui, il est tombé par terre. Si personne vient le voir, il se relève. Au bout d'un certain temps. Bon, ta vie, elle est pas au max et voilà. Ah oui, hein, pourquoi je suis resté sur eux? Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je sais pas, je sais pas si je dois aller à la guerre, je sais pas si. Voyez le pire? Ils m'ont compté ça comme une assistance. Ça veut dire que le mec que j'ai tapé, il est tombé par terre. Mais comme je l'ai pas tué, j'ai juste une assistance. Après, pas de bol, j'ai voulu taper. Équipe. J'ai voulu taper. J'ai voulu tirer sur le mec qui s'est pointé. Bah, j'avais la barrière juste devant moi. Pas de chance. Mauvaises armes aussi. J'aurais dû peut-être mieux me stuffer. Et y aller après. Ou encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Quelle est la meilleure technique, vous allez me dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que... Ouais. Est-ce que tu essaies de te stuffer vite fait dans ton coin et... Chercher les mecs. Est-ce que tu essaies que les mecs se défoncent et que tu vives le plus longtemps possible? Bon, on va se mettre là, hein. Il y a du monde autour de nous. Les équipes sont là. Ouais. Il y a un mec juste à côté de moi. Ou l'entité, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Il prend chauve-souris? D'accord, lui il prend il prend la muse, bah je vais rester sur sirène. Hein. Après, est-ce qu'il faut prendre un de chaque quand t'es en équipe? Encore des petites questions comme ça. Je pense que je vais garder ce. Ouais, je vais garder cette. Cette rediff. Vu que c'est mes premières parties, c'est le début. Le jeu, il est sorti quoi? Il est sorti le 7. On est je sais plus. Me fait déjà tirer par les cons. Lui, il est déjà mort. On se casse.
Ça sert à rien de... T'es où toi? T'es là. J'arrive. Hop, je me guéris. Salut, salut! Je me guéris, j'allais dire. Ouais, super. Merci les gars. Ah. Ah, quoi que tu veux, j'ai déjà. Faut se stuffer là, les gars. On peut pas rester comme ça. On va crever. Et où la zone? Elle est là. Une hache. Je propose la Tommy Gun pour ceux qui veulent. Plus les autres ils se séparent. J'ai envie d'aller voir l'intérieur. Faut, je sais, faut que j'arrête avec le l'abattoir, mais que voulez-vous? Ça a été loot, hein. Ouais. Ouais, tout a été loot. Tommy Gun, je sais pas si c'est... balle d'AK. Ah oui, j'ai une AK, ouais, c'est vrai. Peut-être prendre l'AK pour la longue distance, je sais jamais. C'était quoi ce bruit? Là, il est bugué, on dirait. Ouais, c'est bien, mais il faudrait une destination, là. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. Mon collègue, je vois que mon collègue, il vient de se... Mon binôme, ouais. Il vient de lancer, s'il veut, je vais voir s'il veut me rejoindre. Alors.
Vu qu'on est plus que deux, fait chier. Ah bah il est là. Hop, une AK bleue. Tu me proposes quoi toi? 0,5 points de santé par seconde. Écoute. Je vais prendre ça, ça peut... Ça, enfin, j'allais dire ça peut aider, mais 0,5 points par seconde. Ah oui, je suis à 2. Hein. Bon bah voilà, ça c'est fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait grave n'importe quoi. En même temps, les mecs vont spawn juste au-dessus de moi. J'aurais dû me sauver. J'aurais dû me sauver. Oh là là, en plus t'as... ouais non, je cherche pas. Bien joué, mais pas possible, pas possible. Top 9 sur 14, c'est pas ouf, hein. 97 de dégâts, ouais. Ouais, c'est pas... Non, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Mecs sont spawn au-dessus de ma tête, ils ont attaqué mon pote. Je crois qu'ils m'avaient vu en plus. Ça me saoule depuis que j'ai eu ce truc-là, ils me le mettent tout le temps. Ah bah je vais... Ouais. Attendez, hop, 30 secondes. Je regarde vite fait. Ah bah t'es là quoi? Je suis là. Ah voilà. Je suis revenu, donc je sais pas si tu veux grouper. Je voulais te poser une question aussi. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Gunnar? Chez nous? Attends deux secondes. Ouais, palier 10. Quand est-ce que j'ai une nouvelle récompense, moi? Palier 13. Ouais, puis c'est pas ouf. Vêtements palier 17, ouais. Gunnar, c'est Gunther, je crois. Ouais. Je me rappelle plus de son pseudo à l'époque, mais c'est quelqu'un de la NGM. Vaslav. D'accord. Ah, d'accord. Parce que j'ai regardé dans ses noms de profil, il y a Gunner, Gunther, machin, tout ça, donc je me suis dit... Et c'est Vaslav. Je me suis dit, Gunther, on a déjà entendu, mais... Donc c'est Vaslav, ah ok. Bah je lance. Je suis prêt. Je sais pas si t'étais pas arrivé quand j'ai lancé la game à 3h. Non, non. Première partie, je dis, ouais, bah je vais... Je vais lancer en groupe. Pick up, 3 personnes, donc tout se passe mal au début. Je me retrouve tout seul. Je les raise. On a été jusqu'à la zone de fin, on a fait top 1.
Dégoûté. Ça, sérieux? Ouais, dégoûté. Tu sais quoi? Pas top 1, top 2 alors. Non, top 1. Donc t'as gagné. Ouais. Bah pourquoi dégoûté? Parce que je suis en groupe. On a joué une partie de merde. On a fini premier alors que nous, tous les deux, on a fait de meilleures parties et on aurait mérité un top 2. Un top 1. Et on fait le top 1 là. Tu regardes là, on est en groupe, boum, tombé, on est tombé à deux. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que on était pile dans la petite zone qui restait de faim. Donc on s'est dit, les mecs vont arriver. Ce qu'ils ont fait, je regarde en haut à droite. Ah, je dis, on est que quatre. Le mec était tout seul dans son groupe. Il s'est pointé tout seul contre nous trois. D'accord. Dégoûté, partie de dégueulasse. Le top 1, t'as même pas envie qu'on te le donne. Un top 1, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai, mais mon premier top 1 en... Bon, le mec était en train de se barrer, j'ai quasi pas tiré sur lui. Mes potes ont tous tiré sur lui, il se barre dans un couloir. Je glisse derrière lui, je sors ma hache, je lui mets un coup dans la jambe. Il tombe. C'est ce qui arrive en général quand on se prend un coup de hache dans la jambe. Ouais, non, mais j'avais mal joué, mes potes avaient mal joué. C'est bien, mais c'est déçu, c'est décevant, tu vois. Ah bah je commence bien ma partie moi. Ah, t'es sur les. Les flics. Enfin la merde. L'initiative. L'entité. Ouais, là c'est l'entité qui s'appelle. Ouais. Tiens, il y a une boutique là. C'est quoi? Ah ouais, mais ils sont là, eux. Tiens, ici, il y a du loot. Ouais, du loot. Du loot. J'arrive. Ah, il m'a défoncé ma gueule. C'est quoi ce fusil à pompe? Oh, attention. Super. Contre un PNJ, j'ai. Je vais te ramener. Ah, mais t'es toujours à terre là-bas, je peux aller te chercher. Bah ouais. Ah bah ça y est, je suis debout maintenant. D'accord, bah fais gaffe, qu'il y en a d'autres des flics. Pour moi, à chaque fois, je dis les flics parce qu'ils sont en armure. Mais... Oui, et puis en plus, on est à côté des voitures de flics donc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme arme ici? Bah rien du tout. Faudrait que je me prenne une petite seringue. Non, il n'y a personne d'autre ici. Viens, on monte. Attends. Voilà, tu vas potentiellement avoir une arme aussi. Prends l'arme et on se casse. On monte. Ouais, pas ouf.
là-haut? Bah les armes qu'il y avait là. D'habitude, il y a des bons trucs sur le... Ah oui, sur le toit du... Sorte d'église là, et là, il y a rien. Oula, ça tire. Ah, encore sur toi. Ok, c'est toi. Hop, je me remets un boubou. Je vais me remettre un coup de seringue. Vas-y, vas-y. Plutôt une poche de sang au point où t'en es. On va pas gaspiller. Oh, quoique oui, j'aurais pu prendre une poche de sang, hein, vu le... J'aurais pu profiter, vu le temps que je survis ici. T'es où? T'es là. Hop. Ah, carrément? Hein? Bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, ouais, donc le souci, hein, c'est que... déjà. Non mais c'est qu'on on sait jamais où aller en fait. Ah, moi je sais très bien où aller. Ah bah vas-y, je te suis parce que moi je suis toujours perdu. Je vais toujours dans des endroits où il y a des caisses mais... Ah mais moi je suis très exactement où je voulais aller. Je me fais toujours défoncer. Oh là. Je vais prendre ça. Sur un nuage. Attends. C'est bizarre. Ouais non. J'entendais une caisse mais je crois qu'elle est dans le... Bah elle est dans le rooftop. Dans le nuage là. Elle est dans le nuage. Trop tard. Hein. Dans la tempête. Ah. La zone. Par contre, ah oui, j'ai réfléchi cette nuit en fait. Enfin, j'ai pas réfléchi, j'ai pensé. On disait, ouais, pour la prochaine map, ça serait cool d'avoir New York, machin. Mais New York, c'est. Les bâtiments sont vachement trop hauts pour tirer sur des mecs en bas. Les buildings et tout ça, ça fait trop en fait. Je pense que ça perdrait de toute sa. C'est grand New York, hein. Oui, oui, peut-être un quartier, genre le Bronx ou le Queens ou un truc comme ça, quoi. Oui, oui, peut-être. Manhattan, je sais pas. Je connais pas. Manhattan, c'est beaucoup de gratte-ciel. Ah, la caisse est encore là. Non, non. Ah, il y a des escaliers, j'avais jamais vu. Alors. Est-ce qu'on a beau ? Ta-na-na-na ! Un snipe. Tu prends ou pas ? Non, j'aime pas celui-là. Je prends. Ah, c'est le sniper lunette. Pompe, pompe, pompe. Quelques protections ici. Je vais en prendre une voiture. On peut pas prendre une voiture là dans la vitrine, j'ai vu. Il y a des effets au pire on se casse. Ah merde! J'ai entendu tirer, hein, pas loin. Je suis grillé. Oh putain. Oh putain, je me suis rafalé la gueule. Sur la terre.
J'ai pas vu le deuxième qui était derrière moi. Il a pris évidemment mes armes. Au-dessus de moi, il me cherche. Ah, si il a le même personnage que moi, il a le skill pour suivre la trace de sang. Non, non, il serait déjà en train de me chasser. Attends, j'ai où là? Je suis déboulé ou quoi? Il y a du monde au-dessus de toi. Putain, elle est de l'autre côté, fait chier. Non, de l'autre côté par là. Nuage. Ah, je suis traqué comme une bête féroce. Non, une bête sauvage? Ouais, bref. C'est bon. Attention militaire. Hein. Oui, c'est vrai. Non, 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 je suis pas hostile, je suis pas hostile, je suis pas hostile. Je vous veux pas de mal. Tué un ou deux collègues tout à l'heure, mais oui, mais c'était tout à l'heure, c'était en toute amitié. Ouais, c'est merde, je me suis perdu à cause de ces cons là. Allez, monte. Ah non! Ah putain, je suis déçu. T'as découvert et ça tire à côté de toi. Ouais, mais bon. Je peux plus 13, y a plus de fumée. Bah tant pis. Ah là là. Je passe par là. Tu vois, mais je vais pas faire. Tu vois, ça me saoule, je vais faire top 1 sans toi et. Bah, je te souhaite. Non, ah non, ce serait nul. Ça risque d'être tendu du string quand même, top 1 face à 3 mecs, mais. Ah, oh merde, j'ai pas vu. Je regardais le combien il y aurait. Dans le coin et prends l'armure. J'ai pas d'armure. Bon, alors barre-toi d'ici parce qu'on tire à côté. Mais t'es encore vivant toi? Devant toi, y'a un mec. Ah ouais, j'ai vu. Il vient de sauter le muret. Prépare-toi, juste là.
Ah oui, d'accord, bah son pote il vient le rejoindre. Mais je croyais qu'il était tout seul. Comment veux-tu que je fasse... Voilà, comment voulez-vous que je fasse un top 1 si il m'en donne pas les moyens? Si on te prévient pas que c'est une partie multijoueur, enfin en groupe. Bon, prochaine partie, je serai moisi normalement, hein, parce que je dois faire une partie en toréador. Oh oui, bah ah ouais, d'accord, super, sympa. Bah, t'as dû le faire aussi, non? Non, Ok, en toréador. j'avais pas cela, moi j'avais faire des dégâts au corps à corps, faire des dégâts au loin Bah, je serai soit sirène, soit muse. et faire ouais faire des dégâts à distance, faire des dégâts au corps à corps et manger des gens C'est ce que j'avais hier, ça. avec des résonances. Bah, je dois faire une partie en toréador. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Ah, j'ai déblo ouais, j'ai débloqué du lore. Franchement, il y aurait eu la fumée là-bas au fond, là, je l'aurais pris, on serait arrivé, on l'aurait contourné là à deux, il était mort. Mais ils étaient deux, voire trois. Ouais, mais au début, il était, je sais pas, il était tout seul, il était caché contre On aurait le. pu le tuer pendant qu'il était dans le cimetière, Ouais. mais en fait, il a eu un très bon réflexe de disparaître immédiatement. Ah oui, carrément. L'avantage des Nosferatu. Ouais, cheater le pouvoir. C'est pas vraiment cheaté, mais bon. Et allez, on est encore deux. Aller où? Bah, pourquoi je pose la question? Non, sérieux? Pour changer. J'aime bien, ils disent l'antenne comme si c'était un truc... Waouh! Bah, c'est un point d'intérêt. Ouais! C'est juste une antenne 4G, quoi. Enfin, une antenne de... Voilà, quoi. Alors, toi, tu préfères Sirène ou Muse? Les deux. Dis-moi celle que tu préfères. Je vais prendre Muse. J'ai eu un bug graphique, du coup, je vois pas ce que ça m'a validé. Ah, t'as pris Sirène. D'accord. Super. Ah mais c'est au même endroit que tout à l'heure. Ah au fait, on n'a pas bien regardé parce que la dernière fois tu disais ouais machin et tout ça. Si on Ouais, peut... machin et tout ça. Je suis persuadé de ne jamais avoir dit ouais, machin et tout ça. Pas exactement cette forme-là, mais en fait on peut se donner des trucs, hein, des gilets, des machins. Ah ouais? Oui. Bah c'est une bonne chose. J'ai vu ça. Non mais Même ça des. me compte Même maintenant que des j'en ai. balles. Des munitions et tout ça, donc. Excellent. Ouais, enfin il y a rien, on va monter, hein. À ta gauche, il y a quelque chose normalement. Ah bah là il y a une caisse. Bah, vas-y. Ah bah sur l'antenne. Regarde l'antenne elle est au-dessus. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a dans ta caisse?
Usior. Ah bah voilà, tu l'as pris. Oui. J'ai mangé un truc à midi. T'en manges encore? Bah, je sais pas, mais je sens que ça travaille à l'intérieur, quoi. J'ai un peu mal au ventre. Enfin, de temps en temps. Et des petits. Ça tire pas loin de là où on est. Des petites douleurs. L'église, c'est du loot normalement, si on est chanceux. T'as entendu? Ouais, Un civil qui gueule, ça veut dire un joueur dans le coin. Pharma en dessous si tu veux. Sur moi. Toucher son gilet. Tu le vois? Il y avait rien. Ah, j'entends, j'ai entendu sauter. Rudja. Ah, c'est bon ça. Tu prends pas son AK? Ouais. Attention, il y a forcément un pote. Je me remets un gilet. Non, il était tout seul, je pense. Ah, dans ton dos. Il y a plus de gilet. Je me soigne. Ça arrive. Sont deux, oh, trois. Ah, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon pouvoir. Dommage. Moi, je pensais que le premier, je l'avais mis à terre. Je me suis sauvé, moi. Ouais, t'as eu raison. Je l'avais pas mis à terre le premier, celui qui t'a mis par terre? Non, j'ai pas vu. Ah bah si j'avais su. Non, je crois qu'il est tombé. D'accord.
Ah non, c'était des... Putain, il y avait des mecs qui se tiennent en plein milieu de la rue comme ça. J'ai cru que c'était les ennemis du peuple. Ah non, c'est nous les ennemis du peuple. D'accord. Non, non. Non, non. C'est les humains, les ennemis du peuple. Allez. On en a tué un. Ah bon? Bah ouais, il était tout seul le gars qu'on a tué tout seul. Ah oui. Attends, viens, Ou alors. je vais te donner des trucs. Ou alors les autres, c'était des. Attends, c'est quoi le bouton? Donne-moi ta seconde arme si tu Tiens, t'en sers pas. un gilet. Tiens, un AK. Tu te sers pas de ton autre arme? Bah si, je l'ai dans mes mains. Enfin, non, c'est. Je pensais que c'est la moins bonne que tu m'aurais donnée. Pas la 4. Bah c'est la moins bonne. Moi j'ai un Uzi. Tiens là, y a de quoi faire. J'ai un Uzi. Un Uzi or. D'accord. Par contre, il me faut des mines avant de recroiser quelqu'un, et ils sont juste au-dessus de nous. Des mines de quoi? Des mines de tout. Je te rappelle Attends. que je repars de zéro. Bouge pas, bouge pas. Viens, viens, viens. Je vais te filer des mines. C'est des. Ah non, petit AK, quai. bah AK, c'est munitions lourdes et revolver. Gros calibre, tiens. Merci. Tu les as pris? Ouais. Ah, c'est bon. Et bah après j'ai plus. Le revolver, c'est les mêmes que le Uzi, donc tu peux pas m'effiler, je crois. J'ai petit calibre. Ouais, mais c'est le Uzi petit calibre. Tiens, il y a du gil. Vas-y, je t'en laisse un. Désolé madame, j'ai besoin de vous. Juste au-dessus de nous, hein. Ouais. J'ai fait exprès. Droit devant là-bas. Au-dessus, Bruja. Ouais. Il s'est foiré alors qu'il voulait monter sur Ils sont deux. J'ai ouais. vu son pote descendre avec lui. Attention, il y en a un juste là. Où? Juste là, je l'ai vu. Ouais, vu, il est sur nous. Je tente un truc. T'aurais pas dû. Touché Il dans a son perdu son gilet, armure. perdu son armure. Bouge, fuis. Oh non, mais c'est quoi ça? Non, là il y a un souci, je suis désolé, je veux bien être gentil. Mais le mec, je l'ai rafalé, il était avec son épée, il se passe rien, le mec ne meurt pas quoi. C'est pas normal. Que veux-tu que je te dise? T'avais quoi comme arme? Un Uzi or. Ouais, mais t'as tiré dans la tête. L'Uzi Or, il fait quasiment pas de dégâts si tu tires pas dans la tête, hein. Ah ouais, Même oui, s'il est en d'accord. or. Hein. Ah bah non, alors j'ai visé le corps, mais Le Uzi, c'est un petit calibre. C'est les mêmes balles que les pistolets.
Du coup, si tu vises pas la tête, ça fait pas beaucoup de dégâts. D'accord, bah, je pensais que c'était... Disons que si t'es pas doué au fusil à pompe, c'est-à-dire que si tu vises mal, Ouais. comme moi par exemple, Bah moi aussi je vise mal. il vaut mieux un Uzi parce que comme ça tu peux rafaler Ouais. sans avoir besoin de viser précisément et t'es quasiment sûr de toucher. Alors que le pompe, ça tire tellement lentement que si tu rates tes cibles, ça vaut pas le coup. Ouais. Mais il faut quand même mieux avoir un gros calibre. Donc il faut soit la batteuse de la Seconde Guerre mondiale, là, soit la K, soit le fusil d'assaut de l'initiative. Hein. Confession écarlate partie 2. Oh, cool. Ah, T'as pardon. eu une nouvelle J'ai eu du mission. lore, ouais. Non, du lore. En fait, il y a des. Tu cheats tout. Bah, dans la game, en fait, t'as des. Tu vois les boules qu'on a pris pour les quêtes? Bah, t'as des boules comme ça, tu les prends et des fois, ça te donne du lore. D'accord. Et comme le lore est en plusieurs parties à chaque fois, ça se débloque. Genre, t'as la partie 1, c'est tu lis un truc, après, c'est écrit contenu de verrouillé. Et des fois, ça ouvre une deuxième, une troisième. Enfin, pour l'instant, j'ai ouvert que des deuxièmes. En fait, tu vois là sur le Mumble, Ouais. ils sont 7 à jouer à DayZ. C'est les mêmes gars qui vont jouer à BF. Tu veux tenter un endroit en particulier? Oula. Oh, y a du monde. Abattoir, abattoir. Ah merde, il a pas. Bon bah tant pis, il mourra, on le rasera. Si il joue, je. Bah tu vois, pour une fois, la muse, je m'en suis bien servi. Bon, par contre, la deuxième fois, j'ai cru que j'avais. Quand on était sur le deuxième affrontement, là, sur le toit, j'ai cru que j'avais une sirène et du coup, j'ai claqué mon pouvoir 2. Enfin, mon pouvoir. Et puis finalement, c'était du soin au lieu de faire la bombe flash. Mais bon. Bah, c'est moi qui l'avais la bombe flash. Oui, et les habitudes ont la vie dure, hein, comme on dit. Ah, le mec a réussi à faire un perso plus dégueulasse que le mien. AK violette. Hop, avec le SVD. Je t'ai laissé une batteuse là, si tu veux derrière. Une que t'aimes bien là. Bon, remarque, non, tu me disais que tu l'aimais plus. Si, Atomic Gun, j'aime bien, mais bah en fait, je suis pas encore sûr des ce qui est bien et ce Euh, qui est pas le, bien, quoi. le, l'Atomic Gun, c'est des balles lourdes, mais pas précises. Donc. Tu tires pas à plus de 20 mètres avec. Voilà. Tu vois des civils en violet comme ça, je suis preneur. Ok. Parce que c'est compétence de disparition. La violet. Là.
Et un gilet. Là, il y a un snipe. Lunettes. Ouais. J'arrive. Ah oui, mais il est vert. Ouais. Ennemi! Ici! Juste au-dessus de moi! J'arrive. Et où? Ils ont dû descendre. Il est là-bas. Touché, il est à terre. Ouais, mais il y a son pote. Ah, t'iras pas le reste, toi. Derrière nous. Je suis à terre. Il va me tuer. Je suis mort. Il y a deux mecs sur le toit où on était. Pas assez haut. Prends de la vie avant de remonter. Lâche-toi ici. Mais oui, mais je suis con, putain. Non, mais c'est pas grave, t'oublies de temps en temps que t'es une muse, c'est tout. T'avais plus de balles de ton autre arme? Si. Il arrive, reste bien là dans le coin. Ah, il a le truc pour te traquer. Ah, merci. Il y a une fumée pas loin. Merci. Tiens, derrière, il y a du loot. Il y a une forma. Est-ce qu'ils ont laissé du... Est-ce qu'ils ont laissé du jus? Des armes qu'il me faut, moi. Ils ont laissé du jus. Je suis plein.
Oh là! Non, pas là, c'est les militaires. Ouais. J'ai qu'un pistolet tout de suite. T'as cru que t'allais me de des coups de hache toi? T'es ouf ou quoi? Tu peux venir vers moi? Ouais. Fais gaffe, ça arrive. Non? Ouais, ils sont 2-3 à se tirer dessus. Non, non, toi! Oh, j'ai pas ouais. Si, si, j'en profite. Voilà. Je me replie un peu plus loin derrière. Hein. Il y a une autre pote, il est là. Ok. Tiens, il y a des. Ouais, sniper. Hein. Tiens, il y a une AK là. Où ça, est-ce que je suis loin de toi là? Non, non, il me tire dessus, il est tombé. Je me fais sniper. Là, il y a des boubous. J'arrive. Ah bah, plus. Non, mais je vais t'enfiler une. Attends. Ah, bah, il y a un autre bouclier là-bas. Où il est? Où il est notre ami? Juste au-dessus de nous. Je viens de me prendre une balle de snipe. Non, il est là, ok. Et eux ils sont. C'est pas une autre bataille. Il y a deux groupes. Il a raison, on bouge. La caisse. La caisse n'a pas été prise. Yes, j'aurais peut-être un truc intéressant. Je suis tout en vert. Qu'est-ce qu'on a? Ouzi, hop, ça me permet de passer d'un vert à un violet. Il y a des mecs sur la grue en fait. Ah, je suis mort. Désolé le chat, hein, je parle pas. Putain, c'est. On était dans la sauce dès le début. Les mecs nous ont pourchassés, après on s'est fait pourchasser par des autres. On a le collègue qui est toujours en vie. Hein. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il va aller au combat? Est-ce qu'il va nous raise?
Oh là là, les mecs sont à côté. Bah il est en fufu hein, donc mais là on était vraiment entre deux équipes qui se tirent Ouais, puisqu'à un moment donné, j'ai dans le couloir, je vois un mec arriver et j'ai vu un deuxième qui lui tire dessus. J'ai mis un coup de fumée pour histoire de toucher les deux, mais et de pouvoir s'échapper. Mais ah. hein, ils sont deux. Il a pas de chance. Hein, ils sont en train de le chasser. Je suis sûr, ils tirent un peu partout pour. Non, non, il y a un mec au-dessus de lui. Il y a les deux à sa droite, mais il y a aussi des mecs à sa gauche. Ah merde. Attends, on est plus que 7. Ça fait 3 avec lui. Il en reste 4 en face. Enfin, il reste 3 et... ou 2 et 2. Oh là là, il y a un mec là-bas tout seul. Ah ouais, Ah, il y avait des mecs en haut. les mecs sont perchés là-haut, ok. Là, le problème, c'est que si t'as pas un snipe. J'ai essayé de lui envoyer de la fumée à l'autre en haut, mais t'as l'autre équipe qui est venue nous choper. Bah oui, parce que en haut, ils étaient inaccessibles pour eux. Alors, dès qu'ils ont vu que t'avais tiré de la fumée, ils ont regardé d'où ça venait et c'est sur nous qu'ils ont tiré. Regarde-moi ça, il a l'arme super pas précise et il essaye quand même à cette distance. Ah, il l'a touché, hein. Oui, mais il a tiré combien de balles pour le toucher une ou deux fois? Ah oui, ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais te mettre en fufu. Oh là là. Ah, il y a eu un mort. Ah ouais, non, il n'y a plus de fumée en fait. Deux équipes de deux et lui. C'est ça, faut attendre que les deux cons se terminent. Il devrait se prendre une armure. Il doit pas penser à prendre une armure ou il en a pas. En se disant... Oula, Il y a un mec il y a des derrière, je mecs crois. derrière lui et des mecs devant. Et faudrait que les mecs ils... faudrait qu'il reste un contre un et peut-être qu'il aurait une chance. Là, il faut plus qu'il bouge. Oh! Le mec l'a vu. Oh là là! Oh là là! Le traquenard. Ah Ah non, non. ils étaient trois! Donc ça veut dire que le dernier qui reste, c'est un mec qui est tout seul Le contre mec trois est tout mecs. seul en haut de sa tour. Oh là là. Non, il est tombé, il est descendu. Comme quoi, vous... J'ai fait deux assistances et 400 points de dégâts, c'est déjà ça. J'ai rien fait, j'ai fait que 429 points de dégâts. C'est mieux que zéro, hein. Il est départi, on en a fait zéro des points de dégâts, hein. C'est pas faux. Ouais, donc voilà une partie type où tu finis entre le mec qui était tout seul et entre deux équipes, enfin entre deux équipes, un mec tout seul et une équipe de trois derrière. Ben oui. Ça aurait été deux équipes de deux et lui tout seul, il aurait pu s'en sortir. Parce que tu te dis les deux équipes de deux vont se taper, tu t'essayes de prier pour qu'il reste plus que un des deux équipes. Et à ce moment-là, tu te fais un contre un et tu te dis, bon, allez, est-ce que j'ai une chance de le choper? Ouais, non, mais c'est le matchmaking là, qui déconne encore un peu. Parce que le mec peut se retrouver tout seul, n'oublie pas de te mettre prêt. Le mec peut se retrouver tout seul parce que ses deux potes sont morts, mais tu peux aussi commencer en équipe de deux au lieu de trois, Oui. comme ça nous arrive souvent. Donc ça, c'est vrai que ça... Bah, une personne en moins, Ça se ressent. déjà que nous on est deux noobs, alors. C'est vrai. Vaut mieux trois noobs que deux, hein. Enfin, je pense qu'on a...
On a dépassé le stade de noob, on n'est pas fort. Je dirais, Ouais, on est. non, on est noob, on est noob. Non, on est On est passé. faux débutant. Faux débutant, On a ouais. les concepts de base, mais juste on n'est pas doué, quoi. On Oui, se prend voilà. à casser. C'est ça. Si tu peux nous donner l'arme la plus précise du monde, on mettra les trois quarts des balles à côté quand même, Ouais, hein, mais bon. mais ça, après. Sur ma souris, j'ai une option, tu sais, j'ai un bouton au niveau du pouce pour descendre les DPI, pour pouvoir viser plus précisément. Je pense jamais à l'utiliser. J'avais pris ça en prévision de Battlefield. Bon, déjà là on est trois et on a personne derrière nous au port et à l'abattoir. Étonnamment, pour une fois, il n'y a personne à l'abattoir. Réfléchissons. Le mec prend le rôdeur, donc bah moi je vais passer saboteur alors. Hein. Réfléchissons ces minutes. D'ailleurs, pourquoi mon saboteur est pas blond? Faut customiser chaque personnage en fait. J'ai tout customisé. J'ai tout que je sais pas. À ton avis, pourquoi j'ai été étonné qu'il soit pas blond? Ouais. Ah, je suis mort. Non, laisse tomber. Non, j'arrive. J'ai pas eu le temps de m'échapper. Les mecs ont ouvert une boutique d'armes. T'inquiète, t'inquiète. Regarde là où je suis. Ah, cool. De toute façon, j'avais rien pris donc. Ici, t'as un snipe, à défaut d'autre chose. Oula. Une AK bleue ici. Je te laisse la prendre vu que t'aimes pas trop la Tommy. Ou alors tu veux la Tommy Non, plutôt. je vais prendre le cas. Notre pote est de l'autre côté. Ouais bah moi j'ai besoin de m'équiper hein. Ouais, je sais. Moi aussi. Hop. Bah moi je vais garder la Tommy. Et donc vous voyez tous les objets qu'on trouve par terre, les loots, machin, c'est toujours sur un ancien vampire. Mais. Ça tire au-dessus de nous là, non? Non. C'est moi qui suis en baston. Et qui J'arrive. suis mauvais. Il Bon, tombe. j'essaye d'arriver. Dépêche, ils sont deux. Hein? Ah non, ça m'a tué, il va se réveiller lui. Il va se réveiller. J'ai tué celui-là, j'ai mis à terre l'autre. Ah cool. Prends l'armure, j'en aime. Du bâtiment. Et donc ouais, je vous disais. T'as vu à proximité? Excuse-moi de t'avoir coupé. À Non, non. proximité, la Tommy? Comment elle est moche. Ah oui, bah oui. Mais il faut vraiment être à proximité. Ouais, donc je disais tous les par terre, tous les stuff que vous voyez en fait qu'on récupère sont sur des vampires morts, mais. Ah oh, putain, pas ici.
Mais qu'est-ce que je disais? Oui, mais c'est pas des joueurs, c'est des c'est du lore en fait, c'est les vampires qui sont morts pendant la grande guerre qu'on est en train de vivre là actuellement. Attention au nuage, va falloir monter. Puis on a le collègue qui est loin de nous là. Oui, à moins qu'il tire sur les soldats. Ouais. Ou non, là il est en train de se faire défoncer par quelqu'un, je crois. Faut vite le rejoindre. Ah non, il joue avec les soldats. Bah allons le rejoindre. Regardez, je vais vous faire voir. Encore une note. Ah, il avait un mec apparemment. Vous voyez là, le petit tas de cendres, c'est un vampire mort. C'est bien. Je trouve que ce petit détail. Regardez là. Attendez. Il chasse un mec oh. Apparemment. Vous voyez, l'ombre. Enfin, les cendres. Il l'a fini à ma place, le salaud. Y'a quelqu'un? Non? Si, là! Merde, j'ai fait le con! Ah, il m'a tué. Ouais. Au moins j'aurai mon finish. Et au moins t'auras de la vie. Ouais ouais, tu m'étonnes. Tu viens vers moi? Bah je suis là. Dépêche-toi de... Je remets de la vie rouge qui arrive sur nous. À nous deux, à moi et à l'autre. Allez, vas-y, prends du stuff là, vite. Bah, ça y est, j'ai mon stuff. Ah bah oui, c'est vrai, je t'ai réanimé. On doit avancer. Donc, c'est cool, comme je disais, c'est cool ces petits détails là parce que. Mine de rien, on n'y pense pas, quoi. Les deux, c'est des petits trucs que tu te dis, ouais, bah là il y aurait du loot. T'aurais dit, ouais, bah il y a du loot quoi. Ouais, je vois le. Je voyais un mec en bas de la rue. Là. À terre. Face. Ouais, je l'ai détecté. C'est bon, je l'ai tué. Ah, moi, il m'a tué.
Fais chier, j'ai pas eu le temps de me sauver. C'est merde. Tu l'avais vu ? J'avais vu le mec qui était derrière, j'avais pas vu le mec devant. Ah merde. Ah, j'ai pas vu que notre pote s'était fait tuer. Ouais, bah il s'était fait tuer à l'instant. Ah, dommage, dommage. Dommage, on mais... a tué plein là. 3 éliminés, 5 assistances, 2 diableries et 1000 points de dégâts. Moi j'ai fait que 4 assistances et 496 de dégâts. J'ai tout fait en nouveau record sauf pour les diableries. Je suis content. C'était ah ouais, partie, là. Nouvelle assistance, ouais, nouveau record pour moi. Ah, malgré les petits couacs machin, on s'en était bien sorti. On avait tué 2 équipes. Bah ouais. J'aime bien l'atomique, tu vois. Je m'en sors mieux que l'atomique avec la K. Bien, bonsoir. La K, j'ai une impression de puissance, ce qui m'empêche de bien jouer en fait. Je me dis ça va passer et ça passe jamais. Ouais. Alors qu'avec l'atomie, je suis beaucoup plus prudent. Et je pense que l'atomie à courte portée, c'est mieux. Oui, oui, oui. Bah, elle fait autant de dégâts que la K, en fait. Mais elle tire juste 2 fois plus vite. Elle est 2 fois moins précise, mais elle tire 2 fois plus vite. Donc à courte distance, ça marche beaucoup mieux. Et toi, quand t'es à courte distance, tu vises ou tu tires à... Courte distance, ça dépend quoi. Si c'est 20-30 mètres, courte distance, je vise. Ouais, c'est parce que j'ai toujours tendance à rester appuyé sur le viser, même au corps à corps. Non, non, si c'est en dessous de 20 mètres, on va dire, je vise plus. J'ai toujours eu des problèmes comme ça quand je joue à BF et tout ça. À BF, c'est pas pareil. BF, c'est un jeu, c'est bon, on est d'accord que c'est de l'arcade, Battlefield, c'est pas Arma, mais. Oui. Disons qu'il y a un intérêt à viser. Alors que là. À moins d'avoir un snipe, il n'y a aucun intérêt à viser à courte distance en fait. Il y a beaucoup de monde là. Je descends vers le rooftop. Bon. On va voir. Ouais, bah j'ai pas pu choisir. Ah mince, j'avais pas vu l'heure. Tu vas bientôt t'arrêter ou tu t'arrêtes tout de suite? Bah. Tente le coup quand même, mais. Soit moi aussi, c'est pareil, hein. Il me reste 40 minutes là, après j'arrête. Ah, tu vois le blond? Ah oui. Ah oui, ton fameux Heath Ledger là. Je voyais qu'il était l'autre, je sais plus, là, l'autre qui envoie les chauves-souris. Ouais. Et du coup, moi j'avais choisi le premier, le blond. Et en fait, je me suis trompé, il avait fait l'inverse. Ouais. Alors là, on a fait une bonne équipe, on avait fait des bons kills, des machins, ça a été bien débrouillé. Ouais, il faut continuer sur la même lancée. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Il y a moyen de bien jouer. Faut que je, et moi aussi, faut que je sois plus attentif. Ok, c'est toi qui a braqué. Ouais, boutique de corps à corps.
Ah bah, super. Quoi? Bah notre troisième, il est voilà. Notre troisième n'est pas là. Bon, écoute. Ça, il y a quelqu'un qui a atterri sur une voiture. Loin. J'ai regardé. En fait, quand t'entends un bruit comme ça, tu regardes tout de suite sur la map et t'as un rond, un ping qui apparaît. Et c'est une armure. Ah oui, c'est vrai, j'avais une armure, fallait que je la mette. Bon. Oh, c'est pas mal ici, gars. C'est très Il y a un joli. mec en face de moi, là. Il est mort? Ou il s'est sauvé? Je sais pas du Fais tout. gaffe, il y a les militaires là, hein. Juste Ouais. devant toi. Tu fais tirer dessus. Oh les putes! Quoi? J'ai pas réussi à monter. Ils m'ont défoncé. Essaye de te sauver, hein, tu vas te. Enfin, rejoins-moi. Je sais pas où t'es, mais rejoins-moi. J'essaye. Eh, il y a des mecs là-haut qui se font tirer. Ah, d'accord, ouais, fais gaffe, il y a des mecs en face, hein. Bah. Ouais, mais je te vois à la moitié des meubles. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça, je vais revivre. Je vais revivre. Voilà. Oh! Faut juste que j'arrive en. Ici, une AK bleue. Faut juste que j'arrive à monter. Viens, viens là, bouffe-le. Ah bah, ouais. On va monter. J'aurais bien aimé récupérer un peu de vie avant, mais ouais, ok. Peut-être pas, non, je crois qu'il y a du monde là-haut. Bah ouais, faut bien se battre, hein. Ok. Je suis mort. Ils sont deux sur moi. Il y en a un qui est par terre. Fais gaffe, il y en a un qui va se relever. Voilà. Merde. Comment elle a fait pour se relever aussi vite? Ah bah je l'ai tué depuis tout à l'heure quand je suis monté. C'est le premier que j'ai fait tomber, donc Ah, forcément. mais ils étaient trois, d'accord. Ah oui, ils étaient trois. Je croyais qu'ils étaient que deux. Ah oui, d'accord, oui, non, non. Ah, j'ai fait Je 304. croyais qu'il y en avait un qui était tombé et puis qu'il y avait celui qui était en train De de faire le me finish. tirer, ouais, d'accord. Ah non, je. Ouais. Bon, bah j'en profite pour m'arrêter là pour Ouais, le moment. moi je vais me faire encore bah, en me connaissant, je vais faire 2-3 games encore.
Puis après, je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois que je reprendrai mes activités sur Blood Hunt, ce sera dans un petit moment, quand j'aurai fait toutes mes recherches, quand j'aurai quand j'aurai Je te serai entraîné. c'est ça, quand je me sentirai mieux, il y aura l'évolution. Bon allez, moi j'y vais, à tout à l'heure. À toute. Ah là là, ça c'était pas évident. Je l'ai fait tomber, je suis content, mais j'ai mal joué parce que je me suis trop précipité. Je ne savais pas où ils étaient ses potes. Je l'ai vu lui, je l'ai défoncé, mais si je l'aurais attrapé pour le manger, je serais mort. Et quand j'ai ma deuxième arme était pourrie déjà. J'aurais eu les arbalètes qui font de la fumée toxique, ça aurait été cool. Ah, toi-même tu sais, hein. Abattoir. Il faut que... Ouais. Il faut que je... Comment on appelle ça? Ah zut! Faut que je fasse plus attention. Ouais. Je vais essayer de... Ouais, en fait, pour dire la vérité, quand je suis en partie, je sais pas si ça le fait à d'autres personnes, mais je suis tendu, enfin, j'essaye d'être relax et tout ça, mais je suis tendu et en stress et... Et quand je tombe contre quelqu'un, je deviens encore plus stressé et limite paniqué parce que voilà. Et donc c'est ça le truc chiant. Je connais les mécaniques, je connais le jeu maintenant, je connais les trucs. Faut que j'arrive à me, voilà quoi. Faut que je joue détendu mais focus. Toujours du loot là, le loot là-bas. Allez. Ma petite routine. Voilà. Après, je monte ici. Je prends par ici. Je remets un petit coup. Pour voir vite fait, je monte en haut de ça. Je saute là. J'entends la caisse briller. D'habitude, je passe par ici. Maintenant, je change. Parce que la dernière fois, je me suis fait baiser, en fait. Il y avait un mec ici. Et j'ai mis ce clic. Et ben voilà. Hop. On se casse. Je prends pas le reste. J'essaie d'aller chercher un blindage là-bas. Bah tiens, il y en a un là. J'ai entendu quelqu'un.
ici. Oh, c'est pas mal ça. Deuxième caisse. Ce qui me propose mieux, non. Je ne prends pas ça parce que je ne vois pas la croix pour viser en fait. On va rester comme ça. Même si j'aurais voulu le prendre, mais là les gens sont partis. Dans la zone. En fait, regardez. Quand je vise, en fait, là, je vois à peu près la croix, mais sinon, je la vois pas. Là, ça se tire. Là, il y a la caisse, mais il y a les soldats. Je vais contourner. Merde. La zone dans le cul, ok, je me casse. Putain! Bah, pardon. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Voilà, c'est ça que je dois placer cette phrase-là. Quand j'ai envie de m'énerver, faut pas que je m'énerve, faut que j'ai des phrases pour quand je... Mon degré d'énervement, j'en ai deux. Je suis déçu, je sais pas pourquoi, ouais, je sais pas, peut-être que j'ai fait le con, je ne sais pas. Parce que j'ai... Le mec me rush en fait, c'est ça le truc. Le mec m'a rushé. Le mec m'a rushé, donc comment je... Ah, il m'a clairement... Bah, il m'a rushé et il m'a mis du corps à corps. Et j'ai visé, oui, c'est vrai, j'ai visé. Quand il était au corps à corps, j'aurais dû juste juste tirer comme ça quoi, sans viser. Avec l'arme sur la hanche.
Voilà, on y retourne. Petite routine, hein, je vais faire ça. Tac, ici, essayer d'aller chercher le coffre. Ouais, là c'est... Quand t'es pas fort, c'est un peu frustrant en fait. Ah, super, il a pas glissé. Là-bas, il y a un ennemi. Ok, je suis nul de loin. Mais qu'est-ce que c'est toujours là? Je crois qu'il y a quelqu'un juste au-dessus. Pas sûr, mais... J'ai cru entendre. Ah, du jaune. AK jaune. Faut faire gaffe, hein, l'eau ça tue instant. Merde, c'est là. Bref, hop. Quelqu'un qui est passé, je l'avais dit. Ah, là-bas il y a un ennemi. Si on le voit, c'est parce qu'il a fait quelque chose de... Il s'est fait griller par les...
Il est à terre. Votre avis, il s'est sauvé ou il me rush? Il me rush. Il est monté ou il s'est sauvé? Voyez, j'ai pas visé. Je dirais pas que ça a porté ses fruits. Et ça s'est bien passé. Non, t'es trop haut là. Ah merde, j'ai juste enlevé son truc. Ah mais oui, j'aurais peut-être dû garder le... J'aurais peut-être dû garder le... Comment on appelle ça? La K. Voyons voir comment il va mourir. Ah non. Il l'a eu. GG à lui. Il était presque mort, hein. Mais ouais. J'aurais peut-être dû. Je suis content, j'avais fait un beau combat. Ouais.
Ouais, donc là j'avais. Je pensais au truc. Enfin, comment je peux expliquer ça? Disons que j'étais un peu plus serein, j'étais un peu plus. Ouais, quoi. Quand j'ai tiré, j'ai essayé de réfléchir à ce que je faisais. Donc j'ai sauté, j'ai visé pour le tirer après, quand j'étais en bas. Après, j'ai relâché le fait de viser, j'ai tiré comme ça en faisant des droites gauches. J'ai visé le corps, mais au moins. Après, est-ce que ça a joué parce que j'avais une AK or et lui il avait peut-être une AK bleue ou un truc? Ça a peut-être joué. Ma petite ruelle, comme d'hab. On refait la même. C'est vrai que le pouvoir de E là, le truc de fumée là en fuite, c'est pas mal comparé au TP. Mon TP, le TP des Toréadors, il est pas mal, mais je trouve que je trouve que c'est pour ça que je vois de plus en plus de personnes qui jouent avec les Nosferatu. La fumée pour s'échapper, elle est vraiment pas mal. L'autre avec ses chauves-souris, c'est pas mal. Et l'autre avec son. Le fait de t'accroupir, tu deviens invisible. Plus ta fumée qui. Ouais, c'est. C'est pas mal. On voit un peu moins de Brujah. On en voit quand même. Mais on en voit un peu moins. Mais la plupart du temps, le plus qu'on voit, c'est des deux. Pardon. T'es en train de bâiller. Le plus qu'on voit, c'est les Nosferatu, hein. Les Nosferatu. Non, il n'y a pas de civil avec une résonance qui m'intéresse. J'en veux pas spécialement, c'est juste pour éviter que quelqu'un ne l'ait. Mais bon. Ah. Ah. Regardez, c'est des humains. On est en train de les vider. Bon, allez,
On va pas rester là, hein, on va se casser. J'ai l'impression qu'il y a un mec juste au-dessus de moi. Ouais, bien vu. Oh non, mais c'est pas possible! Non, je suis nul! Ça y est, j'ai trouvé en fait. Je suis nul. Ah oui, il avait. D'accord. Il avait un Uzi. Il a mieux visé que moi avec son arme, mais. Pourtant, j'avais une AK, mais non, j'ai mal. J'ai mal visé. Allez, pour la dernière, je me fais. Je la fais en groupe, en pick-up. À partir de lundi. Ben non, attends. Ce serait quand? Quand est-ce qu'il est sorti? Il est sorti le 7. Le 7, c'était mardi. Je crois que c'est à partir de mardi, il y a la saison 2. Enfin, pas la saison 2, la semaine 2. Des quêtes saisonnières. Ah, c'est cool, ça va me faire monter en XP, ça. Il y a une tenue que je veux avoir, mais gratuite. Parce que dans le Battle Pass, en fait. Il est divisé en deux. Les parties que tu as quand t'es. Enfin, quand t'es, tu payes, t'as tout. Mais dans le Battle Pass, il te donne des parties gratuites. Et c'est l'équivalent des deux, hein. Le Battle Pass payant et le Battle Pass gratuit l'un au-dessus de l'autre. Sauf que là, il est dedans directement. Et il y a une tenue que j'aime que je voulais avoir. C'est. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est juste. C'est juste cette tenue-là, mais le blouson, lui qu'il soit marron, il est noir, quoi. Ah bah, tout à l'heure on parlait des Brugia, eux ils jouent Brugia. Et mais elle est assez loin, je crois qu'elle est. Je regarderai peut-être. Bon, là, je vais pas finir à 6h comme d'hab, mais ça sera un peu plus long, c'est pas grave. Mais ouais, je crois que c'est. Je crois qu'elle se débloque niveau 70 ou un truc comme ça, c'est vachement loin. Non, 70, c'est pas les yeux? Parce que je veux aussi les yeux. Les yeux jaunes. Ou orange, un truc comme ça, mais ça ressort bien, ça claque bien. Je sais plus, faudrait que je regarde. Je vais regarder ça tout à l'heure.
Ouais, j'espère que pour la saison 2, en même temps c'était leur première, ils débutent et tout ça, ils voient un peu comment ça se passe. J'espère que pour la prochaine, ça sera les trucs gratuits. Enfin, c'est des trucs gratuits, c'est jamais des trucs de ouf. C'est dommage, mais tu vas me dire, ouais, mais le jeu il est gratuit. Là-haut. Mes potes sont des gens en conflit. Ah, vous voyez, c'est ça les trucs que je vous disais. Qui rajoute du lore, c'est ça. Non. Il y en a une deuxième. Du sang. Putain, le loot est pas ouf, hein. J'en ai perdu mon gilet. Le mec était tout seul? Ils sont où ces cons? Là. Faut que je me remette de l'énergie, sinon je vais crever. Ah non, pas vraiment.
Ouais, j'ai déposé mon fusil de chasse, hein, ça avait pas l'air. Non, pas ouf. Parti où lui tout seul? Ok, lui est parti manger. Con lui. Faut que j'arrive à l'attraper. Merde, j'ai voulu pinguer, je l'ai pris. Bon bah tant pis. Il en a eu un autre là-bas. Puis bon, je trouve une AK, hein, les gars. Et ben voilà, la providence ou pas? Et encore 11. Pris la caisse. Mes guidances. Ouais, bah t'as clou. Ouais, y a plus rien. Les mecs sont venus. Ils ont tout pris, hein.
Re? Bah alors il est passé où lui? Je fais juste 2-3 parties et... Bah j'y suis là, je suis en train de faire ma dernière. Ah bon? Donc je relance pas le jeu? Non, mais je suis en train de faire ma dernière en live. Ok. J'ai bientôt fini le live, c'est prolongé, c'est parce que là j'ai fait une dernière en pick-up et... Disons que... Elle était bonne? Bah on est en cours, ça se passe. Apparemment, je crois qu'ils ont tué des mecs. On va bien voir. On est encore 12. Si tu fais top 1 alors que je suis pas là, je serais vexé. Ça voudrait dire que c'est de ma faute si tu fais pas des top 1. Et tire. Ok, le mec il... Ah oui, là-bas. Qui se passe, on est en boy. Non, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on est en fight là, fait chier. Ah, c'est bien beau, mais on va se faire contourner, je le sens, gros comme une maison. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? C'est qui se prend tout dans la gueule? C'est moi! Bah évidemment. De toute façon, qu'est-ce que tu crois, ils sont passés. Et voilà, je suis mort! Vous avez atterré un braise! Putain, j'avais une. Ça passe aux menaces quoi. Mais les mecs ils foutent le bordel et c'est moi qui prends tout dans le petit. Ça arrive à tout le monde hein, tout à l'heure t'as foutu le bordel aussi hein. Oui, mais là il y avait des mecs qui étaient en train de combattre vachement loin et l'autre il a pris son sniper, il s'amusait à tirer, tirer. Et ouais. Il réfléchit pas aux conséquences. Et une fois qu'il s'est fait... Tout à l'heure t'as pas réfléchi aux conséquences, je t'ai rien dit. Et une fois qu'il s'est fait tirer dessus, bah lui s'est barré et c'est moi qui a pris tout dans le petit. Et la zone, je suis sûr qu'elle est trop petite pour me faire apparaître. Il reste 8 personnes. 3 et 2 équipes de 3 et eux. Ok, là-bas t'en as un, là-bas t'en as un. Là, les mecs vont faire top 1 et je suis pas là. Bah voilà. Bah t'auras les points quand même. Ça aura fait 2 top 1 dégueulasses. 2 top 1 dégueulasses, c'est mieux que 0 top 1 qualité. Je préfère faire un top 2 qualité que... Ah, moi j'aimerais bien faire au moins un petit top 1 dégueulasse. Juste un quoi. Ah ok, l'autre avec son sniper il reste au loin. Ah vas-y. Pousse-le. Ah non, ça arrive sur ta gauche. Je sais pas s'il l'a vu. Ok, eux ils sont en retrait. Il fait 2-3 tirs avec son fusil à lunettes, mais t'as les mecs qui sont en train de s'entretuer et eux. Alors on va faire un top 1 dégueulasse. 8.
Ouais, je le sens mal. Ça sent soit le top 1 dégueulasse, soit ils vont se faire rush d'un coup et ils vont se faire ouvrir. S'il campe un peu trop. Ah, ça campe gros, ça campe carrément. Mais... Il en a tué un. Oh non, ils sont. Oh vas-y! Vas-y! Allez, top 1 dégueulasse! Allez! Félicitations! Bah, félicitations à toi parce qu'au moins ça fait de l'XP. J'ai fait deux top 1 dégueulasses. Et ben j'ai trouvé le titre. J'ai trouvé mon prochain titre, le titre de cette vidéo-là. Au début, je voulais pas la garder, mais finalement. Bon, sur Le ce, top 1 de la loose. mais ah, les top 1 de la loose. Ça, je le garde. J'allais mettre les top 1 de dégueulasse, mais top 1 de la loose, c'est mieux. Donc, messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette top 1 de la loose. J'espère que ça vous a dégoûté autant que moi. J'en referai, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais la prochaine fois que je reviendrai, je serai plus fort. Sur ce, prenez soin de vous. Et à ciao les amis.